Salut tout le monde, c'est Clash of Clash, juste on trouve un peu une vidéo un peu spéciale. Les deux, ce sera sur comment optimiser son clan et faire avoir un bon assaut de victoire et faire évoluer très vite son clan au niveau du niveau 10 le plus rapidement. Déjà, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager et mettre un commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Du coup, voilà, on se trouve sur le jeu. Comme ne faites pas attention à mon village, à mes remparts, hein. C'est que les remparts qui sont un peu nuls à chier, moi c'est le mot tir. Bon, les remparts c'est long à faire, hein, vous comprendrez, mais là déjà vous pouvez voir mon laboratoire déjà. Enfin, vous pouvez voir, j'allais dire un bon profil. Quand tu vois mon village, il est peut-être prima, enfin, pas prima, mais les remparts sont dégueulasses. Mais quand vous voyez le profil, c'est beaucoup mieux intéressant. Voilà, voilà les héros bientôt max, vous pouvez voir, voilà, etc. Ah, du coup pour avoir un clan optimisation du clan, il faut avoir un clan actif et très actif et très fort en GDC comme moi là. Donc, avant de ça, j'ai commencé il y a un an le jeu clan, et demain c'est l'anniversaire du clan. Ouais, ça sera les 1 an du clan. Ça sera 1 an du clan, voilà. Je veux dire 1 an du clan, ça fait plaisir. Voilà. Ça fait presque un an, mais ça, enfin, voilà, je sais plus quand j'ai créé mes yeux, j'avais créé le clan en mai, du coup voilà, le 20 mai. Comme vous pouvez le voir, dans mon clan, bah, on a des bons HDV, comme vous pouvez le voir dans le clan. Putain, mais ça m'énerve, ça bug à chaque fois. Voilà, vous pouvez voir, HDV 14, bah, par contre, moi je suis pas sûr de mon clan, je cherche des HDV 14 si possible, hein, HDV 13 si possible aussi, c'est un peu la dèche, c'est assez compliqué, voilà. Si les gens sont partants, bah, n'hésitez pas à vous rejoindre le clan, c'est ouvert à tous. 1600 trophées, HDV 11 minimum et sur invitation, voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai un bon clan, vous pouvez le voir actif. On va d'abord parler de l'HDV. Comme vous pouvez voir, voilà. Après, mais monsieur compte toujours, c'est normal. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est tous les gens de mon clan. Voilà. Tout ça, voilà. Du coup, on va voir les gens pour la preuve qu'ils sont très actifs. Mon clan, vous pouvez voir, on va se mettre en. Parce qu'avant, j'étais comme vous. Hein. Moi, avant, je disais que je serais pas capable de gérer un clan. Mais en fait, non, aujourd'hui, ça paye, hein, les récompenses, hein, tout ça. Avant, j'étais comme une merde sur Clash of Clans. J'ai dit ça contre 5, c'était pas ouf. Hein. Voilà. Du coup, les actifs, connexion, comme vous pouvez voir, pratiquement tout le monde est actif. Donc, clan, vous pouvez voir là. On lit récemment, etc. Alors vous avez compris, tout le monde est en lien récemment. Vous pouvez voir, mon clan est très actif. Ils sont très actifs au GDC, on essaie de faire en GDC. On va passer à ça bientôt. Voilà. Voilà. Du coup, on va voir dans les victoires. Enfin, garde le clan, plutôt dire. Dans le journal de guerre. Tiens. Bon, on va d'abord en guerre classique. Comme vous pouvez le voir, on a 69 victoires et 23 défaites. C'est un extrêmement bon ratio de clans. Ça prouve que le clan est très actif et assez fort en GDC, comme vous pouvez le voir là. 140, 70, je retire tout mon attaque pratiquement. Ah, on fait des grosses perfs, on fait des gros perfs et des gros pourcentages. Ah, vous pouvez le voir, le journal de guerre, il est magnifique, propre. Ah, mis à part le rouge, hein, c'est dommage. Après, je me suis mis un défi, quoi, mettre un défi et essayer de faire 30 victoires consécutives sur ce clan là. Est-ce que c'est possible de faire 30 victoires consécutives sur ce clan là? Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Vous avez compris, voilà, on a compris. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les niveaux, on les a passés vite. Voilà, le niveau 4. Là, niveau 4. Il y a 188 jours, on était niveau 5, hein, pour dire ça. Oula, 188 jours, c'est niveau 5 quand même. Hein. Tu vois? Du coup, ça fait. C'est pas vieux, hein. Après, on est passé niveau 6, ah voilà, on est passé niveau 6 il y a 150 jours, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est très, le clan est monté très vite en niveau, hein. Enfin, niveau 7, on est passé niveau 7 en 97 jours, et 97 jours, on était passé niveau 7, hein. Vous pouvez voir le clan très actif. Enfin, nous on passe à niveau entre on met plutôt un mois et demi, hein, pour passer à niveau du clan. Comme pour faire ça, faut être très actif. Enfin, on va revenir ça plus tard.
voilà. Niveau 8, il y a 51 jours. Comme vous pouvez le voir, on a été niveau 9 en 42 jours, hein, on va se mentir. Hein. Niveau 9, il y a 42 jours. Voilà, voilà. Dernier niveau ici, là. Du coup, déjà, je me suis mis un objectif de ce clan-là. En 2 mois, passer niveau 10. Je vous sais qu'on peut le faire. Du coup, ceux du clan, n'hésitez pas à venir si vous voulez aider à faire à monter le clan en niveau. Voilà. Après, en Ligue des Guerres, on est... les 7e, voilà, on va afficher parce que j'ai lancé une gaffe. J'ai lancé en 30v30 pour voir si le clan attaquait tous en même temps. Enfin, si le clan attaquait toutes tes attaques. Oui, tout le clan faisait toutes tes attaques, mais le problème, c'est que. Ah bah, c'est que. Bah, on s'est fait défoncer, on écrit ça, parce qu'il y avait plus d'HDV, il y avait beaucoup plus d'HDV plus que nous, en fait, tu vois. Du coup, voilà. Putain, non, 11 minutes, ah, ça, 11 minutes et une maintenance, du coup voilà, j'ai fait la vidéo. Du coup déjà pour passer une étape 1 pour avoir un bon clan actif, il faut être très actif en termes de GDC. Il faut donner beaucoup de dons. Comme vous pouvez voir, il faut être très actif dans les commentaires, en chat, etc. Comme vous pouvez voir ici, moi j'ai 20 000 dons pendant cette saison là, c'est énorme. Du coup c'est très énorme pour moi. Moi je devais 30 000 dons par saison, on peut avoir mon clan. Mais après voilà. Faut être très actif dans le clan, être à l'écoute de son clan. Et de comprendre les erreurs qu'ils font, voilà. Et aussi, en GDC, ne critiquez jamais n'insultez pas et critiquez pas vos coéquipiers quand ils se fail. C'est quand vous failez, quand votre coéquipier fail, vous l'encouragez à s'améliorer plus tard. Ou bien vous donnez des conseils d'attaque. Parce que certains clans où j'étais, bah, je me faisais insulter puisque j'avais fait l'attaque. Du coup, l'effet, ça arrive à tout le monde. Comme si dans ce clan-là, on se prend pas la tête, on encourage à s'améliorer, on donne des idées de compos. Et étape 3, bah, faire souvent des GDC, parce que si tu fais une GDC tous les 3 semaines, le clan va dire, le clan n'est pas actif, du coup ils vont se quitter, du coup c'est une mauvaise idée. Du coup c'est de faire des GDC entre 2 à 3 fois par semaine, c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, c'est très important. Aussi, bien sûr, quand vous faites GDC, étape 4, quand vous faites GDC, respectez bien les couleurs des gens, comme voilà la rouge, que ne mettez pas ces gens-là. Quand les gens sont en rouge en GDC, ne les mettez pas. Parce que si tu les mets en GDC, les gens ils vont attaquer, mais ils ont pas de troupes, ils ont pas de héros ou de sorts. Du coup, c'est un conseil de ne pas faire ça. Une erreur que les gens le font, parce qu'ils veulent plus faire des GDC. Du coup, voilà. Aussi, étape 5, lancez, au début, quand vous créez un clan, lancez des petites GDC d'abord. Lancer du 5 contre 5, c'est un conseil, parce que c'est moi ce que j'ai fait au départ. Puis après, quand mon clan a commencé à grandir, j'ai fait du 10v10, après du 15v15, du 20 contre 20, après du 25 contre 25, après j'ai fait du 30 contre 30. Nous, dans ce clan là, on fait particulièrement du 30v30 à chaque fois. Et c'est plutôt le 25 contre 25 qu'on fait plus souvent. Parce que c'est ce qu'on va pas mettre tout le clan en force GDC, parce que ça sert à rien. Si le mec est en rouge, il n'attaque pas en GDC, ou bien il se fail et qu'il n'attaque pas, voilà, ça va vous énerver. Du coup, étape 6, ne pas... Comme vous pouvez voir, n'utilisez pas les GDC à 50 et 40 chaque tout H24. Parce que ça va faire chier les gens. Du coup, ça va les saouler. Parce que si tu fais du 50 contre 50 et 40 contre 40 tout le temps, les gens ils vont en avoir marre. Ils pompent pas mieux leur héros, tu vois, ni leur armée, ni leur sort. Du coup, voilà. Moi, je vous conseille de faire pour ces GDC là, ce type de GDC 50 contre 50 ou 40 contre 40. Je vous dis que c'est de le faire chaque mois, une fois par mois ou deux fois par mois si le clan le souhaite. Mais d'abord, posez-leur la question, envoyez un message, bien sûr. Étape 7, n'hésitez pas à avoir une chaîne YouTube. Parce que comme ça, les gens, si vous voulez à votre clan, vous avez une chaîne YouTube, ils pourront savoir ce que vous faites sur le clan et faire des compos. Tout ce que vous avez compris, voilà, vous avez capté. Et aussi, créer un serveur Discord important sur Clash of Clans. Parce que c'est pour ton clan, créer un serveur Discord sur ton clan, parce que sinon, sinon les gens ne seront pas à la formation de ce que tu veux préparer. Parce que sur Discord, toi, tu vas tout faire, tu vas faire des annonces, etc., que le clan ne va pas forcément savoir. Du coup, je te conseille de mettre un serveur Discord en description de ton clan. Voilà. Bien sûr, ne pas être trop sévère dans votre clan. En gros, ne les insulte. Enfin, quand je dis sévère, ne pas leur dire
Deux fails est égal exclure, exclu, ça ne sert à rien. Là vous allez juste perdre en visibilité du clan et les gens vont voir votre réputation du clan. Parce que vous savez pas, mais sur Clash of Clans, il y a un site qui s'appelle Clash of Stats, on peut mettre des réputations du clan. En gros, la personne qui va se coter associé à ce site là, il va mettre une note sur ton clan. Parce que des fois, parce que d'autres gens vont voir ton clan. Parce que il y a un site où tu peux voir ton clan, voir si ton clan a une bonne réputation ou une mauvaise réputation. Ouais, faut attention à ça, parce que si t'as des mauvaises réputations de ton clan, les gens vont pas forcément rejoindre, tu vois. Du coup, moi je vous conseille d'être safe, tranquille, ne vous prenez pas la tête en cas de fail. Ça arrive à tout le monde les fails en GDC. Même moi ça m'arrive en GDC, mais j'essaie de m'améliorer, tu vois. Moi quand je suis fail, je les insulte pas, je les kick pas, je les encourage à s'améliorer. Je suis pas comme ça moi. Je suis pas de clan, puisque moi j'ai un clan où j'étais comme ça. Je me faisais kick instant. Tout ça c'est une très bonne idée de partir de cette branche là. Comme vous pouvez voir. Aussi dans vos clans aussi, n'hésitez pas à partager votre clan dans d'autres serveurs Discord. Bien sûr, parce que si vous avez le niveau requis pour partager ou faire des recrutements de clan, parce que certains serveurs faut être niveau 5 dans le serveur pour pouvoir partager de clan, voilà. Bien sûr, aussi, ne cliquez pas tout le temps, ne cliquez pas instantanément les gens quand ils font une erreur. Parce que ça arrive à tout le monde. Moi, je clique les gens quand ils sont pas actifs pendant un certain temps. Déjà, il y avait un dédicateur qui s'appelle Bruce Fizim. Le mec, il participait au League, mais il ne faisait rien du tout dans le clan. Il donnait zéro troupes, il était inactif, il ne participait pas aux événements du clan. Du coup, le mec, il profitait des médailles de League. Du coup, je trouve ça, c'est pas très cool pour le clan. Un mec qui profite des médailles de League pour que d'autres sont à fond pour faire évoluer le clan. Voilà. Voilà. Du coup, je le kick parce que ça m'a énervé. Bien sûr, moi je kick les gens à partir de plus d'une semaine, tu vois. Moi je kick pas instantanément, tu vois. Après, certains je peux comprendre. Ils me le disent dans MP sur Discord ou sur YouTube que je suis indisponible, etc. Que j'ai des problèmes personnels. Ça je comprends, vous avez juste à me le dire dans le commentaire ou sur Discord. Il sera en description de toute façon. Et je comprendrai. Voilà. Voilà, du coup, voilà ce que j'avais à dire. Et aussi dans votre clan, quand vous faites modifier, mettez pas des trophées à 5000 quand vous avez un petit clan. Parce que si vous avez 5000 trophées dès le début du clan niveau 1, personne ne va rejoindre. Parce que c'est un clan niveau 1, les gens ils vont pas s'intéresser à un clan qui est niveau 1 avec 5000 trophées. Recommandez. Vous conseillez de mettre en début clan, vous conseillez de mettre 800 trophées minimum HDV9. Si vous voulez prendre HDV9, vous prenez HDV9. Moi j'ai commencé par HDV8, après j'ai pris HDV9, puis HDV10. Et aujourd'hui, maintenant je prends quand même du TH, parce que maintenant, le clan il y a plus de TH11 que de TH9. Du coup voilà. Après j'ai d'autres clans dans d'autres clans, mais il y a personne. Si vous voulez rejoindre les clans, j'ai un clan 14, il sera en description. Ça sera pour le rush et pour les événements un peu très spéciaux. En gros, le clan 14 il sera recommandé pour les HDV 13 à 14. Je vais vous dire, c'est un clan chinois que j'ai récupéré, hein. Pas grave. C'est l'avantage, voilà. Ce clan là, il est ouvert à tous. Et là j'ai trouvé 5000, c'est 3200 trophées minimum pour ce clan là. Donc j'ai pas mis à jour le clan, tu vois. Un peu normal. Du coup, voilà. Ça va consister à prendre là, je prends que du TH13 à TH14 pour le rush et pour le farm. Voilà. Et aussi on a un autre clan qui est niveau 2, qui est pour les petits comptes, pour les petits clans, mais il n'y a personne parce que je sais pas. Voilà, parce que je partage le clan mais les personnes s'en fout. Du coup ce clan là prend HDV3 à HDV8 max 8 et bien peut-être plus tard HDV9 etc. On fera pareil pour le clan niveau 9. Du coup voilà. C'est un conseil, n'hésitez pas à avoir 3 clans environ. 3 clans parce que vous avez créé une chaîne YouTube, vous voulez voir une communauté, beaucoup de gens dans votre clan. Vous conseillez de créer une communauté dans un. Enfin, pas faut dire, je veux dire, enfin, c'est pas ça. Enfin, c'est de créer le clan, tu vois. Une communauté comme ça, si t'as pas de place dans le clan, tout le monde peut participer. Comme ça, ça fera plaisir à ta chaîne YouTube, etc. Les gens vont s'intéresser à toi. Voilà. Bien sûr, dans ton clan, ne sois pas inactif, bien sûr. Toi, si t'es chef, ne sois pas inactif dans le clan, bien sûr. Donne des troupes aussi, parce que sinon, si tu n'as pas de troupes dans le clan, le mec il va quitter. Parce qu'il voit qu'il n'est pas actif et du coup il va quitter. Du coup vous perdez un membre pour rien. Du coup voilà, faut être très souvent actif dans le clan, vous êtes chef du clan. Ça c'est compliqué, mais au départ j'étais comme vous. C'était très compliqué. Et maintenant aujourd'hui j'ai un bon clan niveau 9. Et bientôt niveau 10, bientôt là on est à 646 XP sur 7900. Et nous on peut le passer, on a dit qu'on passe en 2 mois.
Du coup, voilà. Si vous voulez nous aider, bah, vous pouvez venir. Voilà. Oh putain, maintenant ça commence à être dans une minute. Du coup, voilà. Peut-être vous laisser. Je vais peut-être continuer sur une autre. Voilà. Sur un autre truc là. Vu que. Ben voilà, vous avez compris. Bah, c'est dans une minute de maintenance. Du coup, on se trouve dans quelques minutes. Enfin, on se trouve dans. Voilà. Vous avez capté, voilà. Vous avez capté. Je vais vous parler, mais pas dans le jeu. Voilà. Du coup, voilà. Enfin, je vais quitter le jeu là. Je me surpose. Du coup. Putain, mais. Du coup, je revenais au clan, voilà. Je sais plus quoi dire, voilà. Du coup, je vais dire un petit conseil, ne soyez pas inactif au clan, soyez très actif, voilà. C'est un conseil. Faire souvent des GDC, ne pas faire des GDC pendant tous les 3 semaines, ça sert à rien. Vous allez perdre en chance et en perdre de chance d'avoir un bon clan. Voilà. Aussi, n'imitez pas la barre trop des trophées quand vous créez un clan. Parce qu'au début, vous êtes un clan niveau 1, des HDV, pas des petits HDV vont rejoindre le clan, et pas des gros HDV, parce que les gros clans, enfin les clans qui ont un petit clan, un petit clan qui est niveau 1, c'est un exemple, hein, et que le mec, les gens que tu veux recruter sont HDV 14, 13, 12, 11, ils vont pas rejoindre, parce que ça les intéresse pas. D'avoir un clan niveau 1 parce qu'il n'y a aucun avantage, c'est pour ça. Les troupes que tu donnes, c'est leur troupe à eux, c'est pas comme le niveau 5 et 10. Hein, voilà, du coup, voilà. Mais je vous conseille de mettre un minimum de trophées entre 600 à 800 trophées en début de création de clan. Je vous conseille et de faire des GDC 5 contre 5 au début. Puis aussi, quand vos clans vont grandir, faites des GDC à 10 contre 10, puis ensuite 15 contre 15, puis ensuite 20 contre 20, puis 25 contre 25, puis 30 contre 30. Et après, si vous êtes 40 en clan ou 50, vous êtes souvent des GDC à 30 ou 25 contre 25. Et aussi sur certains mois, exemple, vous faites un événement 50, GDC à 50, c'est un conseil, vous mettez GDC à 50. Voilà. Une fois par mois ou deux fois par mois si le clan le souhaite. Voilà ce que j'ai à dire. Aussi, je vais vous faire voir un truc. Je vais passer au live bientôt sur YouTube. J'ai préparé un alerte au don. Non, alerte au don, alerte abonné, etc. On peut voir alerte abonné, ça ressemble à ça. Là vous sentez la musique, mais moi j'entends pas parce que je suis dans le rec. Mais vous entendez le son. Voilà. Et après c'est pareil, ce sera pareil pour les dons, etc. Du coup c'est tout pour cette vidéo là. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça fait plaisir. Et à bientôt. Et ciao. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Ciao.